Et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE, l'excellence a un nom. Tel que nous voyons les choses, ce n'est pas sûr que les démocrates puissent participer aux élections législatives de janvier 2023. Parce qu'il y a toujours 3 ou 4 quittis fiscaux qui manquent. Et vous connaissez la somme, une somme faramineuse, 1,5 milliard. Non mais quand vous dites qu'ils ne sont pas sûrs, est-ce que c'est la faute aux démocrates? Il y a un processus bien défini et nous on a vu qu'ils étaient déjà dans la Sénat, au sein de la Sénat avant la clôture et qu'ils devraient avoir leur quittus qu'on ne leur a pas donné. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'administration des impôts fiscaux? C'est ça ce que vous allez demander. Ils ne sont pas sûrs, ce n'est pas leur faute. Parce qu'il me semble qu'il y a de la roublardise dans cette histoire-là, de la roublardise. Nous, à l'Union progressiste du renouveau, nous n'avons pas peur de la compétition. Il y a des gens qui ont peur de la compétition. C'est dommage. Moi, je regrette. Parce qu'on va revenir toujours à la même situation, il y aura des morts dans le Bénin. C'est pas bien. La faute revient aux deux partis, et aux démocrates et à la direction générale des impôts. Les règles, c'est les règles. Et pour les élections, il faut forcément se conformer aux règles qui sont établies. Mais c'est malheureux. C'est malheureux parce que nous aurions dû souhaiter que les démocrates participent aux élections législatives du 8 janvier 2023. Parce que s'ils ne participent pas, ça ne fait pas notre honneur. Je pense que les partis qui n'ont pas tous leurs dossiers déposés doivent prendre exemple sur les partis qui ont déposé entièrement leurs dossiers. Ils doivent se conformer aux normes normalement des dépôts des dossiers et tout ça. Si effectivement l'administration veut les aider, on peut les prendre au mot pour dire bon, sur échelon de 5 ans. Et je vois. Et ça, là, à cette seule condition, ils peuvent participer. Mais si ce n'est pas ça, moi je ne vois pas par quel moyen ils peuvent participer. Parce que les autres vont dire bon, voilà ce que les textes disent. Même la Sénat, vous allez voir quand ils vont proposer, bon, c'est un dossier incomplet. Même un seul critique d'un suppléant, et je vois, même d'un suppléant parmi les 218, quand ça manque, la liste est invalidée. Donc vous voyez, et je pense que vraiment, ils ont vécu vraiment une semaine noire, j'allais dire. Et plus précisément, hier, le mardi, là, c'était un mardi noir pour les démocrates. Pour tous les militants et les sympathisants des démocrates, ça serait une grande, grande déception. Les démocrates, il faut les féliciter. Les démocrates, il faut les féliciter pour leur courage. Parce qu'au Bénin, ce n'est pas facile d'être opposant déclaré. Les démocrates, moi, je les félicite. Et selon moi, c'est les seuls qui sont des vrais opposants dans ce pays. Les autres qui font semblant d'être opposants au Bénin, je ne veux pas citer, vous les connaissez, ce n'est pas des vrais opposants, c'est des opposants fabriqués. Nous allons rester là, nous allons observer, c'est tout. Mais ce que nous souhaitons, c'est la paix pour le pays. On veut la paix au Bénin. Et s'il faut la paix, ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Moi, je voudrais que tout le monde aille aux élections, que les élections soient inclusives et qu'on ne cherche pas des alibis.